ça va. Allez, c'est ça, c'est bon les gars, viens, ouais. Oh merde. Ok les filles, on file à la douche. C'était bien ton lancer, Garvel. Joli coup, Redman. Frankie, t'as bien deux mains, bon sang, faut t'en servir. Ouais, je t'assure. Spinx, sais-tu qu'on ne joue pas les yeux fermés? Comment veux-tu voir tes receveurs secondaires, sinon? Je me suis pas si mal débrouillé jusqu'ici, petite tête. On n'a pas perdu une partie de l'année. Ouais, mais... Et si on gagne la prochaine, on est bon pour la finale de la région. Ouais, vieux, quand j'aurai besoin de tes conseils, j'irai secouer ta cage. Hey, je voulais seulement te faire profiter de mes longues années d'expérience. Tu peux me croire quand je te dis que le football n'a pas de secret pour moi. Si tu veux un petit jour, je te donnerai quelques bons tuyaux, hein? Écoute, non. Le terrain de football, c'est vrai, à 100 mètres de long, mais c'est au centimètre que ça joue. Ouais, au centimètre. Parce que le football n'est pas un sport, c'est un art. Et tout est dans les principes de base, comme le blocage et le plaquage. Supposons que j'ai ce petit problème d'eau à résoudre. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le bloquer. Ensuite, je n'ai plus qu'un coup de marteau à donner. Et de faire en sorte que ça tienne. Yep. La bonne solution pour le bon job et une superbe confiance dans les principes de base. Ah, je me souviens de cette pluvieuse et froide soirée où notre brave entraîneur Braswell s'est approché du banc que je réchauffais et a dit « Cuisse d'acier, ce qu'il nous faudrait, c'est un miracle. » L'entraîneur Braswell savait toujours à qui s'adresser quand il y avait un job sérieux à faire. Cuisse d'acier qui disait, c'est toujours comme ça qu'il m'appelait. Ah, 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 ah.
Qui a mis ce serpent dans le casier de Mary Logan? Et où est-il à l'heure actuelle? Oh mon Dieu, il est énorme! Je dois dire que j'ai rarement vu un reptile de cette taille. Restez avec nous pour la passionnante conclusion de Rodney! Le roi de la jungle. L'école secondaire de Chickasaw Falls est la pierre angulaire de la communauté tout entière. La fermer maintenant serait une véritable catastrophe. Je représente les contribuables de toute la région, voyez-vous. Et le seul moyen de réduire les coûts, c'est la fusion des secondaires les plus vétustes comme celui-ci. Il est vrai que la bâtisse a besoin de réparation, mais cela ne nuit en rien à la qualité de notre enseignement. Cessons de tergiverser. Le comité vous a accordé 4 semaines de probation pour voir si quelque chose mérite d'être sauvé, et personnellement, je n'en crois rien. Eh bien, je suis certain que vous serez surpris de ce que vous verrez. Tous nos finissants obtiendront leur diplôme de fin d'études cette année, et cela n'est jamais arrivé dans aucune école de la région. Cela me rappelle, monsieur le proviseur, le nouveau règlement. À partir d'aujourd'hui, tous les employés de maisons d'enseignement doivent être diplômés. Aucun problème. La compétence de nos enseignants est d'une très grande qualité. Vous avez un Ernest P. Worrell ici. Mes dossiers indiquent qu'il n'a pas de diplôme. C'est exact. Mais il n'est pas enseignant. Ernest n'est que... Je n'y suis pour rien. Le règlement dit tous les employés. Excusez-moi. Ne vous appelez-vous pas Worrell, par hasard? C'est moi. Et bon sang, vous avez de la chance. Vous allez assister dans un moment à une démonstration du Super Aspirac, l'aspirateur le plus puissant du monde, monsieur. Très très plaisir. On en reparlera. Tant pis pour lui. Ernest, arrêtez-moi ce truc et venez tout de suite, j'ai à vous parler. Job bien fait. Je suis désolé, monsieur. Il n'a jamais fait ça auparavant. Et le pire, c'est qu'il n'est plus sous garantie depuis hier. Nous avons un problème, Ernest. Le robinet qui coule dans le vestiaire? Nous en faites pas. Je m'en suis occupé. Ils ont changé les règlements de l'école, Ernest. Tous les employés du système scolaire devront absolument être diplômés. Ou... qu'arrivera-t-il? Nous devrons nous passer de vous. Monsieur, mais c'est ma vie, en fait, c'est ma carrière, l'accomplissement de mes aspirations, c'est mon job. C'est comme ça. Ou vous devrez reprendre vos études. Oh non, non, pas ça. Tout, mais pas ça. Je veux pas retourner à l'école.
Saw Falls. Nous avons quelque chose de spécial aujourd'hui. Un nouvel étudiant, un gars que j'aime et qui s'appelle Ernest. Accueillons-le comme seuls les rabusqués savent le faire. Bonjour, mademoiselle. Alors, j'allais essayer, Ernest. Ouais, monsieur. Vous savez ce que le célèbre docteur Frankenstein disait ? Faut pas gâcher un cerveau qui peut encore servir. Ah, bonjour. Bonne chance, Ernest. Vous réussirez, Ernest. Pas de problème, professeur scientificus. Allez-y, ne soyez pas en retard. Il n'a aucune chance. Non. 152. Oui, 152, te voilà, mon petit crasier d'amour, mon très cher petit havre personnel dans la tempête du savoir, mon précieux petit sanctuaire, loin du fourmillement incessant de la masse. Ok, Ernest, t'es prêt? Et oui, que la fête commence. Très bien, bonne chance. À tout à l'heure, d'accord? C'est gentil. Tu es Zora. Oui, demain, bonjour. Nous voyons, salle de classe. Mathématiques. Tu devrais l'avoir appris par cœur, petite tête. Mais j'en ai besoin. Que se passe-t-il, Ernest? Est-ce que ta maman t'a emmené par la main? Plutôt un coup de pied au derrière, hein? Attrape, mais attendez, voyons, mes numéros de classe. Je sais pas où est la classe demain. S'il vous plaît. Allez, attrape ça, mon vieux. Non, j'ai besoin de ce papier. Pourquoi faire? Je ne peux pas me retrouver sans lui. Allez, vas-y, allez, à moi. Je vous en prie, attendez. Tu cherches quelque chose? Attrape, c'est pas toi. Regardez-moi ça. J'en ai besoin, je vais me perdre. Je ne sais pas où je dois aller. Eh oh, eh oh, y'a quelqu'un? Je dois aller à mon cours de maths, quelqu'un sait où c'est? Tu trouveras ta classe au numéro 205. Merci. Hé. Hey. Il te faut une passe. Merci. Et voilà, jeunes gens, à vous de résoudre ce problème. Un poids lourd a une remorque de 4 mètres de large, 3 mètres de hauteur et 7 de long. Il transporte un chargement d'orange emballé par 48 dans des caisses. Chaque caisse a 30 cm de haut et de large par une longueur de 75 cm. Si la remorque est remplie de caisses, combien d'oranges doit-elle contenir? Qui a la solution? J'écoute. Très bien, Ernest. Venez donc jusqu'au tableau, s'il vous plaît. Dites-nous comment nous devons faire pour trouver la solution. Tout d'abord, nous devons prendre pour acquis qu'à ce temps de l'année, les plus sucrées, les plus juteuses des oranges, appelées oranges de Valence, sont récoltées principalement en Floride. Et ces oranges sont ramassées par des travailleurs immigrants trop zélés. Il est possible que parfois ils soient trop mûrs et un certain coulage se produit. Ah!
Et en supposant que la pourriture ne se répande pas trop vite, nous pourrions soustraire 3 oranges par caisse, juste par sécurité. Et de plus, si quelques gros pamplemousses s'étaient glissés dans le chargement, et peut-être quelques gros rats qui hantent les gens. Mais j'arrive à la solution. Et ces énormes bêtes s'infiltrent ici. Regagnez votre siège, Ernest. Assis. Vous entendez? Vous entendez? Je vous en prie. Merci. Assis, Ernest. Je vous ai dit de vous asseoir, alors je vous en prie. Assis. Ok, mesdemoiselles. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de lutte. Il me faut un brave. Warren. Tu es volontaire, est-ce que je vois? Je crois que non, monsieur. Avec ma grande expérience chez les WWF, et comme j'ai vu tout ce qui s'est fait comme match depuis que le géant vert a été défait par le Malabur en furie, ce ne serait certainement pas juste pour les autres jeunes. Tu grimpes sur le ring, allons! Oui, allez, vas-y. Je vais bouger lentement, Donald, pour que tu puisses observer ce qu'on appelle gestuelle des plus félines. Ouais, sans ça, vas-y. Monsieur Carson, à vous de jouer. Est-ce que ça va? Ce dernier coup était nettement illégal. Oh, 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 oh. Oh, vous devez
absolument garder le secret sur ce que vous allez voir. Si cette expérience tombait dans de mauvaises mains, tous les gouvernements tomberaient, mon ami. Ce serait une arme terrible dans des mains corrompues. Et Bobby et moi perdrions notre job. Qu'est-ce que Mowgli a sur la tête? Vous allez être témoin de ce qui nous foutra le prix Nobel, mon garçon, et la gloire au bout du chemin. Bobby! Avec l'aide de cet appareil, Ernest, cet animal stupide va être capable de résoudre ce simple problème de mathématiques aussi facilement qu'il mange et qu'il grogne. Ça fait quatre. Ernest! Oh, désolé. Posez-lui un autre, Bobby. Concentre-toi, mon petit Mowgli. Sept Mowgli. Allez, dis un chiffre. 2 et 4 vont. 6. 9. Nous étions si proches d'avoir nos noms dans le dictionnaire. Pourquoi, Bobby? Il n'y a pas de quoi avoir honte, mon vieux Mowgli. Les maths n'ont jamais été mon fort à moi non plus. Moi aussi, ça m'est arrivé. D'accord. Enfin, tu sais, c'est comme ça pour nous tous. Oh, le premier amour. C'est un moment si précieux, rien ne nous le fera jamais oublier. Ouais, mais il ne sait même pas que j'existe. Est-ce que tu lui as dit que tu l'aimais? Tu veux rire? J'ose même pas lui dire bonjour. Ça vaut probablement mieux pour l'instant. Ton éducation est la chose la plus importante durant tes années d'études. Quoique, un cœur en peine est un voyageur solitaire. Est-ce que je peux noter cette phrase? Jeunes gens, jeunes filles, asseyez-vous, je vous prie. Installez-vous, merci. Comme vous le savez tous, la survivance de notre école est quelque peu contestée en ce moment. Notre existence elle-même dépend beaucoup de l'image que nous présentons à toute la communauté. C'est pourquoi nous avons la chance d'avoir Mademoiselle Flugal, qui devient notre nouveau professeur de musique. Elle a la réputation de produire les plus ravissantes interventions de mi-temps, voyez-vous. Je suis sûr que vous lui donnerez toute votre attention et toute votre collaboration. Merci. Salut, je suis Mademoiselle Flugal et j'ai bien l'intention de connaître rapidement chacun d'entre vous. Avec de gros efforts et de l'enthousiasme, je sais que nous pourrons reprendre une place enviée parmi les premiers. Avec ce groupe, elle n'a aucune chance. Donc, commençons, voulez-vous? S'il vous plaît, voulez-vous tourner vos pas jusqu'au Danube bleu? Cela m'indiquera quel sens de la musicalité vous possédez. Un, deux, trois. Sympa, Ernest. Oh.
Donc, en branchant exactement 6 mégawatts de courant continu provenant de ces piles sèches, les pattes de la grenouille ont montré ce qu'on appelle un effet galvanisant. Et c'était là le sujet de mon étude. Vous avez entendu, Bobby? Il a utilisé les courants continus tandis qu'on utilisait l'alternative avec quel résultat? Bon exposé, jeune homme. Belle démonstration. C'est ça, Bobby. C'est ça. Und, les garçons avec les tricks jaunes, à vous. C'est la percée que nous attendions depuis des années. Si seulement Père était là pour voir ce moment de triomphe. Fini. J'étais fini. L'un des écrivains américains les plus appréciés est Mark Twain. Son véritable nom est Samuel Clemens. Et nombre de ses ouvrages sont considérés comme des classiques. Qui peut me donner quelques titres parmi les livres que Mark Twain a écrits? Ernest! Tom Sawyer? Non! Maggie au Mississippi? Non! Le magicien d'Oz? Non! Votre casquette est en feu! Je croyais que c'était du docteur Seuss. Oh! L'extincteur de feu! L'extincteur de feu? Pour être franc, vous m'avez désappointé, Ernest. Il y a peu de chances que vous réussissiez à suivre les cours, et encore moins de passer l'examen de l'État. Eh bien, je me rends compte que ça s'est plutôt mal passé, mais je manque un peu d'entraînement. Non, cette expérience est une perte de temps. Il vaut probablement mieux ne pas s'entêter et passer à autre chose. Ça veut dire que ma vie est finie, que je n'ai plus de raison d'être, que je suis renvoyé, que je suis à la rue, au chômage, au banc de la société. Inutile, fichu, viré. Je vous en prie, ne me renvoyez pas, non. On avait fait un marché, vous ne pouvez pas me renvoyer. Eh bien, nous avions une entente, mais je ne peux laisser cette décision mettre en péril toute l'école. Mais qu'est-ce que vous attendez? Voyons, renvoyer cet idiot, il se recyclera. C'est ici que je veux le faire. Vous serez fiers de moi. Vous verrez, je vous en prie, je vous en prie. Donnez-moi une autre chance, une seule. Parce que si je suis renvoyé, il ne me restera rien. Je ne veux pas vous prendre à la gorge, Ernest. Je vous donne une semaine de plus pour que vous montriez quelques progrès. Oh, merci, monsieur, merci. Je ferai de mon mieux et tout ira bien, vous verrez. Votre confiance sera récompensée, vous verrez, vous verrez. Je m'en vais étudier tout de suite et très, très fort. Voyons, renvoyez cet idiot, il se recyclera. J'y arriverai. Je sais que je suis un cancre depuis toujours, mais on évolue dans la vie. Ernest, répondez-moi immédiatement. Voulez-vous répéter la question? Virez-le, il n'y arrivera jamais. Je le ferai. Oui, je réussirai. J'en suis certain. Vous êtes un cancre, une nullité, un gars désespéré. C'est pas vrai. Je vais changer, oui. On en reparlera dans une semaine. L'autobiographie de Benjamin Franklin. Il me faut votre copie. Est enterrée dans la tombe de Grant. Ramassez les copies. Ils ont raison. Je suis une nullité. Ernest, je suis là. Gerda. Ouvrez. Et qu'est-ce que vous faites là-dedans? Chut. Venez par ici que personne ne vous voit. Dépêchez-vous. Ça alors, ces casiers en contiennent plus que je ne croyais. Ernest, approchez, finis. Approchez, allez, c'est ça, plus près, stop. Vous avez eu quelques problèmes avec vos études, n'est-ce pas? Nous avons une proposition à vous faire. Cela peut changer votre vie, sans parler du cours des histoires. Je veux bien, moi. Bon. Parce que tout dépend de vous, Ernest. Ce que vous voyez là, c'est les premiers accélérateurs subatomiques des cerveaux. Et vous êtes l'heureux étudiant qui a eu la chance d'être sélectionné par notre super panel. Moi et Bobby, pour avoir l'honneur d'être nos tout premiers... Combine!
Je préfère les termes pionnier mental. Pensez-y, Ernest. Toutes les connaissances de l'histoire humaine sont à votre disposition. Eh bien, vous croyez que ça m'aidera à passer mes examens de maths? Essayez de réécrire la théorie de la relativité. Si vous pensez que c'est nécessaire... Ça, c'est parlé. Ok, l'important, c'est que vous vous entendiez bien. Venez, asseyez-vous, j'ai pu voir si ça fonctionne ici. Ya, vous êtes bien comme ça. Bon, ficelez-le bien, Bobby. Tous ces liens ne sont peut-être pas nécessaires, Ernest. Mais comme vous êtes un pionnier, on ne peut jamais savoir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Êtes-vous prêt, Ernest? Eh bien, en fait, je pense vraiment qu'à la réflexion... Non, non, Bobby, allumez la machine. Bon, Ernest, préparez-vous à devenir intelligent. Ok, Bobby, on y va! Basons à présent à son hémisphère gauche. Ok, Bobby, arrêtez les processus. Très bien. Ernest, Ernest, mon ami, êtes-vous là-dedans? En me disant « êtes-vous là-dedans », il est probable qu'en termes philosophiques, vous me définissiez comme une entité consciente totalement capable d'exister hors de ce corps que vous voyez devant vous. Vous me suivez? Non ! Ça fonctionne ! Ça fonctionne ! Ah, Bobby, ça fonctionne ! Je suis devenu une lumière, alors ? Non, pas du tout. Mais pendant quelques brefs moments, mon ami, vous êtes brillant. Ça, alors je sais pas comment vous remercier. Oh, ce n'est rien. Vous devez retourner en classe, brillant et très vite. Donc il faut vous charger rapidement. Si mes calculs sont exacts, un cerveau de taille normale et puis retenir une charge qui est pendant 3 heures. Donc dans votre collection, ça ne tiendra qu'à 45 minutes à 1 heure, tout est blaise. Ben ça alors, je peux peut-être réussir mes examens à mais présent. Mais n'oubliez pas, Ernest, il faut absolument que vous veniez vous recharger avant d'entrer en classe, d'accord? Eureka! Et le compte à rebours est commencé pour découvrir la petite Miss Perfection. Notre petite merveille. L'excitation est à son comble ici. Avec une victoire cette semaine, nous pourrons aller au final de la région. Nous serons peut-être... des héros du football. Très bien, jeunes gens, qui peut me donner la réponse au problème que j'ai donné hier? Dépêchons-nous, il y a bien quelqu'un parmi vous qui peut me donner la solution. Ernest, très bien, je vous écoute. La réponse est Y à la 4e puissance plus 16Y cubique plus 71 au carré moins 80 égale 0. C'est exact? Bien sûr que c'est exact. Est-ce que vous pourriez montrer au reste de la classe comment vous êtes arrivé à votre solution? Avec plaisir. L'élément clé dont il faut se souvenir, c'est qu'en augmentant les véritables racines d'une équation, nous diminuons par ce fait les fausses racines par un apport égal. Et contrairement, en diminuant les fausses racines, nous augmentons les véritables racines par un apport égal. Je vais peut-être trop vite pour ceux qui veulent prendre des notes.
pas. Continuons donc. En augmentant la véritable racine de 5 par 3, nous diminuons chacune des fausses racines. Donc, la racine qui était 4 est maintenant seulement de 1. La racine qui était 3 est 0. La racine qui était 2 est égale à 4 moins 4y moins 80 égale 0. Maintenant que nous avons vu les bases, si nous passions à quelque chose d'un peu plus stimulant. Génial! J'ignorais que j'étais intelligent à ce point. Eh bien, dépêchons en route, je ne veux pas être en retard. Eh bien, excuse-moi! Je l'ai oublié. Que chacun prenne le livre de Sousa, s'il vous plaît. La bannière étoilée pour l'éternité. Et voyons si nous pouvons découvrir les erreurs que nous avons faites l'autre jour. Salut, mon jeune ami. Pourquoi es-tu toujours en retard pour tous les cours? Oh, parce que les préliminaires m'ennuient. Ils sont si élémentaires, tu ne trouves pas? Et veux-tu me dire comment tu es soudain devenu expert en toutes choses? Tout le monde a un potentiel à développer, mon garçon. J'ai seulement eu assez de chance pour trouver la clé qui ouvre les portes de l'esprit humain. Ouais. À partir du début. Attention, les trompettes. Un, deux, deux, deux. Très bien, mes enfants. Une petite minute. Puis-je me permettre une suggestion? Eh bien, oui, Ernest. Vous devez comprendre tout d'abord que cet air, plus que n'importe quel autre, représente l'esprit combatif des États-Unis d'Amérique. Alors, tandis que vous portez votre instrument à vos lèvres, essayez de penser à ces courageux jeunes soldats, aux bien-aimés qu'ils laissent derrière eux. Au dîner de l'Action Grâce, à Noël, à ses petits matins, au défilé de Pâques. Votre piston a besoin d'un graissage. Les bois maintenant. Voyons voir, pauvre enfant. La couleur, les nuances, la vie distinctive, individuelle de 50 états ne dépend que de toi. Tous ensemble, allez! Je pense que nous avons trouvé notre nouveau tambour-major. Qu'en dites-vous, Ernest? Ce serait un travail énorme et j'ai ma réputation à défendre. Accepte, Ernest, s'il te plaît, allez, Ernest. Fais-le pour nous, dis oui. Allez. Eh bien, si vous insistez. Allez-y, allez-y.
Comme vous le savez probablement, il y a certaines personnes associées à cette équipe de football qui préféreraient sans doute ne pas nous entendre à la mi-temps des Jeux annuels parce que, disent-ils, nous sommes un embarras pour cette école. Nous souillons le nom de l'équipe d'après ces personnes. Je leur répondrai, pourquoi permettrions-nous à l'équipe de football de remporter tous les lauriers, lauriers qui nous reviennent autant qu'à eux? C'est ça. Comment pourrions-nous faire ça? Qui pourrions-nous impressionner? Nous ne sommes qu'une bande de nullards sans aucun talent. Et enfin, nous ne savons pas tirer une double croche de nos petits tuyaux. C'est vrai. Mais croyez-en, ma grande expérience. Un vrai leader saurait changer cette fanfare inécoutable où les cuivres, les percussions et le reste se chevauchent en folie en super machines de précision, ouais. Un vrai leader pourrait transformer votre bande de chiffres molles en une fanfare comme aucune école, aucune université n'en a jamais entendu. Et honnêtement, je peux vous affirmer que grâce à moi, vous y arriverez. Ouais. Je comprends pas qui. Mais dis donc. T'as vu? Oh, Bradley, c'est à vous, ça. C'est bon pour lui. On y va. Et une, deux, trois, quatre. Sentez-vous cela, Harold? Le nouvel esprit qui règne ici, fantastique. Eh bien, vous avez 4 semaines pour en profiter avant que la hache ne tombe. Cela m'ennuierait d'avoir à fermer une école avec une équipe de football gagnante et une fanfare championne. Vous n'aurez pas à le faire, c'est mon job. Cela n'arrivera pas, de toute façon. Après les cours, que diriez-vous de passer aux jeux vidéo où là, vous pourriez voir une coordination entre l'œil et la main qui, j'en suis sûr, vous éblouira littéralement. Non. Non, merci, Ernest. Nous pourrions passer au parc et vous verriez combien de parties d'échecs je peux mener simultanément. Non, mais vas-y toi si tu n'as que ça à faire. Moi je dois étudier, c'est pas comme certaines personnes que je connais. Comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai appris un secret qui ouvre les portes de l'esprit. Oui, mais que ça marche ou non, j'ignore ton secret. Alors Mon cher ami, auriez-vous une quelconque sauce béarnaise pour ce pâté de viande ordinaire? Une fine ravigotte? Bordelaise au vin. Oh. On a du ketchup. D'habitude, c'est ce que je prends avec. Je n'ai aucune peine à vous croire. Tu sais, Ernest, tu es devenu un vrai raseur. Je crois que je te préfère avant que tu sois si malin. Oui, ça devrait aller, Bobby. Voilà, la machine est parfaite. Oh, j'ai tellement hâte de l'essayer sur un vrai cerveau humain. Mais il faudra se contenter d'Ernest jusque-là. Vite, vite au travail. Je suis en retard. Ce matin, j'ai des tas de choses importantes à faire, voyez-vous. Je vous souhaite les bonjours aussi, Ernest. Nous avons fait quelques petites modifications qui, je pense, feront marcher cette petite merveille encore bien mieux. Gerta, je suis sûr que tout ça est vraiment fascinant pour une personne que ça intéresse. Mais pouvez-vous me dispenser de tout ce bavardage inutile et commencer? Oh, mais bien sûr. Nous avons une très importante personne ici. Qui voudrait lui faire perdre un temps aussi précieux, n'est-ce pas? Merci à vous. Bien. C'est mieux ainsi. Et sachez que la prochaine fois, j'aimerais que vous soyez prêts quand j'arriverai. Mon horaire est très serré. Et d'avoir à attendre après vous deux ne rend pas les choses très faciles. Bonne journée. Sa personnalité n'a guère été améliorée. Il est plutôt imbu de lui-même. Pour un rat de labo. Bobby, qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas mis toute la com. Ernest va perdre ses nouvelles facultés dans 38 minutes. Pourquoi, Bobby? Pourquoi? Bobby, petit démon. Bien, silence tout le monde. Silence, s'il vous plaît. Bon. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude de l'Amérique du 19e siècle.
Ce fut essentiellement une grande période mêlée de pas de géants, d'agitation, de troubles pour que les États-Unis prennent leur place sur la scène mondiale. Et alors, j'espère que vous voyez quelle excitante période historique ce fut. Nous n'aurons le temps que pour un compte-rendu aujourd'hui. Qui veut le faire? Ernest? Eh bien, il est à peu près temps. Merci. Autant je suis sûr que la plupart d'entre vous avaient entendu parler de la folie de Seward, autant je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne comprend vraiment l'importance de la signification historique de cet événement passager. Je fais allusion, bien entendu, à l'achat de l'Alaska. En l'an 1867, Monsieur William Henry Seward était premier éminent sénateur des États-Unis, qui convient qu'on le congrès à la siégie. Fini, Ernest, fini. Poppy a senti que vous aviez besoin d'un et de petites leçons. Elle ne vous voulait pas dire. Qu'est-ce que c'est? La scie? Jimmy Cricket peut-elle? Le monde du spectacle est ma vie, mes amis. Et s'il y a une chose que j'ai apprise dans ce monde complètement farfelu, c'est qu'il faut donner au public ce qu'il demande. Vous devez les surprendre, les étonner, leur en mettre plein la vue par tous les moyens et qui vous supplie d'aller plus loin. Alors, écoutez bien, parce que je n'ai pas l'intention de le répéter deux fois. Si jamais vous perdez votre place et ne savez plus quoi faire, regardez-moi. Si jamais la foule vous rend nerveux, regardez-moi. Tuba, si jamais vous êtes fatigué à la dernière cadence, quel conseil vous ai-je donné? Regardez-moi. Bon, et maintenant, du début. Et vous, les porte-drapeaux, je veux que vous agitiez ces drapeaux avec une fougue des plus patriotiques. On y va. Et une, et deux, et une, deux, trois, à vous. Le coup de gong, lancement des feux, je donne un coup de tambour, fusée, un coup de xylophone, fusée. Ils ont travaillé si fort, ils ne pensent plus qu'aux feux d'artifice, c'est bien normal. Je suis sûr que tout se passera très bien, tant que ce ne sera pas trop long et qu'il n'embarrassera. Oh, mais quelle fanfare est-ce là? C'est celle d'Ernest, je vais dire la nôtre. Arrêtez un instant, non. Ernest, Monsieur Proctor aimerait vous voir une seconde. On fait une petite pause. Mademoiselle Flugal dit que vous avez complètement transformé le programme, Ernest. Toutes mes félicitations. Vous n'avez aucune idée de ce que cela peut représenter pour notre école. Merci, monsieur. Il est seulement bien dommage que l'on doive être interrompu par une petite partie de football.
Eh bien, oui, continuez ce bon travail, mon petit, et bonne chance pour demain soir. Merci, monsieur. Oh, je vous rejoins tout de suite. Ernest, je me... Mais il y a une danse après la partie demain soir, et je dois chaperonner. Alors je me demandais si vous voudriez venir avec moi. Eh bien, je dois consulter mon horaire, mais... je crois que je suis libre. Mesdemoiselles, messieurs, encore une fois du début, avec du sentiment, s'il vous plaît. Hansen, nous avons une magnifique soirée d'automne et nos rats musqués se sont comportés jusqu'ici comme des chefs. Les Knights de Maple View n'ont qu'à bien se tenir, si vous voulez mon avis. Le stratège vedette Brad Spinks n'a jamais montré autant d'habileté à trouver ses receveurs, tandis que les rats musqués pénètrent encore profondément dans le territoire des Knights. Yeah! La foule locale manifeste son enthousiasme à son équipe. Bon vertic, les gars. Ouais. Bravo. Excusez, excusez-moi. Je suis tellement excitée. Regardez cette foule. Je n'ai jamais vu un tel rassemblement. Ça convient parfaitement à mon couronnement de tambour-major vedette. Qu'en dites-vous? Je veux espérer que tout ira bien. Que votre ravissante petite tête ne s'écarte pas pour ça. Aussi longtemps que mes jeunes n'oublieront pas la règle numéro 1, tout devrait se passer sans faille. Et quelle est cette règle, tous? Regardez-moi. Me voyez? Tout est sous contrôle. Où vas-tu, Ernest? Je viens juste de me rappeler que j'ai oublié une petite chose dans le vestiaire, ce ne sera pas long. Ne t'attarde pas, Ernest. Tout le monde ici compte sur toi. Est-ce qu'un roi manquerait à son propre couronnement? Je crois que non. Que s'est-il passé ici? Ils sont venus comme des voleurs dans la nuit, nous attaquant cruellement, sans la moindre provocation. Et qui aurait pu faire une telle chose? Pacifistes écolos au petit esprit, défenseurs des statu quo craignant un super nouveau monde. Philistins, barbares, républicains, qui peut savoir? Eh bien, c'est réparable. Oh, bien sûr, Ernest, si je peux arriver à démêler ce nœud. Mais qu'est-ce que je vais faire? Si j'y vais comme ça, c'est fichu. Je ne suis que moi. Et maintenant, la fanfare des rats musqués de Chickasaw Falls. Où est Ernest? J'en sais rien. Mais il faut qu'on y aille quand même. Oh, la barbe. J'ai vu ces enfants en répétition. C'était très impressionnant. Je ne tiens plus sur mon siège. Il est à peu près temps. Arrête-les. On ne peut pas continuer. Voyons, tout est perdu. Il est trop tard pour reculer, Ernest. Il faut y aller. Il y a une chose que je dois te dire. Je ne suis pas ce que tu penses. Je ne suis pas réellement brillant. Grimpe à ta place. Tu te rappelles tes paroles? Regardez-moi. Fonce. Oh.
1, 2, 3, 4. Que dites-vous de cette fanfare des rats musqués? Je sais que j'ai laissé tomber tout le monde. J'ai eu ma chance et je l'ai pas saisie. Je suis vraiment désolé, vous savez. Désolé d'être ce que je suis. Monsieur Casie. Au revoir, ma chère petite clé.
Oh, toi, par contre, ça n'a pas l'air de tellement t'embêter. J'ai vraiment tout gâché cette fois, n'est-ce pas, tête de canard? Ça, tu l'as dit, Ernie. Tu as laissé tomber toute l'école. J'ai laissé tomber toute l'école. T'as laissé tomber Miss Flugal? Oui, Miss Flugal, elle aussi. T'as traité Donald comme de la merde. C'est vrai, j'ai traité Donald comme de... T'as agi comme un imbécile envers tout le monde. J'ai agi comme un imbécile envers tout le monde. Et tu vas devoir étudier comme tous les autres. Et je vais devoir étudier comme... une minute. Dis donc, ce n'est pas ta voix, ça. Tu croyais que ça serait facile de t'en tirer, Ernest? Faudrait que tu passes les tests comme nous tous. Ouais, et on va te faire travailler jusqu'à ce que tu sois prêt. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autre moyen? Non, il va te falloir étudier. Oh, Seigneur! Dans quel pays d'Europe est la ville de Bonn? Qui a tué Abraham Lincoln? C'est le cinquième des éléments les plus communs. Yogourt, gruyère. Un type avec un fusil. Non, aucun produit laitier. Calica! Le responsable, la famine au 19e. Et les chocs... les clistrons. Non! Le colonel Sanders. Non. Abraham Lincoln. Les pingouins. C'est désespérant. Et... les éléments. Et Carpo, général Lee. Quelle région? Êtes-vous sûr que ce n'est pas les pingouins? Idaho. On est sûr. Quelle région? Côte d'Ivoire. Zimbabwe. (369) La folie de Seward. 54-49. Agriculture. Non. Ici Rocking Rodney. La question du jour est: qui a mis le feu aux poudres hier soir pour l'honorable société? Et comment pouvons-nous remercier cette personne? On a une grande victoire ce week-end. On va disputer les finales. On a une chance de montrer à tous ce que valent nos gars. Les héros du football, ça va être nous. Oui, l'équipe des Ramusqués va prendre sa place dans l'histoire. Oh ouais! Ernest, ça va? On y va. T'es prêt, hein? Tout ce que nous avons à faire, c'est de relaxer et de nous concentrer. J'ai peur que ma tête éclate. Elle est trop lourde à porter. Je ne crois pas que l'homme doive emmagasiner autant de connaissances, tu comprends? Ernest, mon frère! C'est réparé, Ernest. Je n'aurais jamais cru qu'on le fasse aussi vite, mais quand Bambi se met quelque chose en tête, j'ai pire vous dire que rien ne l'arrête un chemin. Mais c'est fantastique! Ça veut dire que je suis sûr maintenant de réussir! Oui, Ernest, yavoul! Avec notre nouvel accélérateur des cerveaux amélioré qui vous attend pour être branché, oui! Merci infiniment, Gerta, mais il vaut mieux que je passe les examens, honnêtement. Vous voulez rire? Ernest! Très bien, jeunes gens, attention! On ne parle pas! On ne copie pas sur le voisin! Prêt? Commencez!
problème, Monsieur Worrell? Non, madame. Comment ça a été, Ernest? J'en sais trop rien. Tout ça est assez embrouillé, si tu vois ce que je veux dire. Bon, quoi qu'il soit passé, je suis fier de toi. Amène-toi. Viens. Ici Chick Hansen. Eh bien, c'est un après-midi vraiment parfait pour une partie. On peut dire que nous sommes gâtés. Et on a rarement vu pareille compétition depuis David et Goliath. Nos braves ramusqués de Chickasaw Falls vont affronter les hommes de fer jamais vaincus de Central High. Une école qui produit des équipes championnes n'est pas le genre d'école qu'on doit fermer, ne croyez-vous pas, madame? Oh, mais vous comprenez, en tant qu'individu, je suis d'accord avec vous. Mais en tant que membre du comité de direction, bien sûr, j'essaie de garder l'esprit libre. De toute façon, la question ne se pose pas, car Central va gagner aujourd'hui et ils seront champions. Ah oui, vous croyez ça? Monsieur le principal, puis-je voir un moment? Excusez-moi. Fais-nous honneur, Ernest. Mesdames et messieurs, les braves rabusqués de Chickasaw Falls! Une seconde, entraîneur Decker, j'aimerais vous parler. Non, plus tard, ce n'est pas le moment. Vous avez entendu parler de mes plans pour fermer votre école? Ouais, je suis au courant. Eh bien, j'ai un petit problème que vous pouvez sans doute m'aider à résoudre. Lequel? Si vous gagnez aujourd'hui, votre équipe sera championne et ça pourrait rendre les choses difficiles pour moi. Mais nous allons gagner, nous allons les bousiller. Et je ne vois pas ce que je peux faire pour vous. Elle perdra si vous le voulez. Ah ouais? Et pourquoi je ferais ça? Si vous le faites, je vous garantis votre job comme entraîneur de Central High quand nous ferons fusionner les écoles. Je ne sais trop. Chickasaw Falls va fermer de toute façon, mieux vaut pour vous ne pas en pâtir. On pouvait battre ces gars. Et après, dans 8 jours, je peux vous assurer que personne ne se rappellera qui a gagné ou perdu. On pouvait battre ces gars. On pouvait les battre. Hé hey, sortez-moi de là. On roule pour la partie. Allez, allez, on y va, on y va, on y va. Allez. Dépêchons, les gars, dépêchons, allez. Parfait. Bien, écoutez-moi, les gars. J'ai un nouveau plan de jeu. Ce n'est certainement pas le calibre de football auquel on pouvait s'attendre de la part de l'entraîneur Decker et de ses ramusqués, qui semblent complètement débordés par les hommes de fer. C'est encore 6 et non 7 points de plus pour les hommes de fer qui conduisent nos ramusqués à un malheureux 18-0. La bonne nouvelle, c'est que la première mi-temps est presque finie. La mauvaise, c'est qu'il y a un autre 30 minutes de ce massacre à venir. Allez, ouvrez-moi, je veux sortir. Hé hey hey, s'il y a quelqu'un dans les parages, j'ai besoin d'aide pour sortir. Ouvrez-moi. Hé Oh, ça c'est un vrai copain. Je te revaudrai ça. Attention, attention. Hé, hey,
Où est-ce que tu étais passé? Oh, mais ça, c'est une longue histoire. Bon, écoutez-moi. Ce monsieur Axwell a demandé à Decker de nous faire perdre la partie. Quoi? Ils n'ont pas le droit de faire ça. Il faut qu'on les en empêche. Tu peux y compter. Ouais, mais avec quoi? Oh, voyons, nous sommes la dernière ligne de défense. C'est la bataille de Bouvines. Et à nous de repousser les hordes grecques hors de nos limites du Pacifique. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Ernest? Grâce au ciel, j'ai une idée que je gardais justement pour une telle occasion. Chemin des Blisses. On a besoin de votre aide. Le destin de notre école dépend de nous. Bobby. Pour Chickasaw Falls, pour la vérité, la justice et la vie germano-américaine, nous sommes mille fous. Mais y. Bien, ok. Ernest retardera les choses autant qu'il pourra. Voilà ce qu'il nous faut. Ok, il nous faut des gaz soporifiques. Et maintenant, la fanfare des ramusqués de Chickasaw Falls. Oh non, je crois que je n'arriverai pas à supporter ça. Mais ils font tous de leur mieux. Nous n'aurons pas ce genre d'embarras avec la nouvelle école. Et voici la marche funky des ramusqués. Dans la danse, rabusqués, suivez bien la cadence. Le réseau réjouissance, notre fanfare est une fontaine de joie. J'aime ça. Oui, c'est bon. Chance. Hein. Oh, oh, c'est bon, pourquoi t'as pas réagi? T'es pas capable. Non, mais t'es pas Allez maintenant les serviettes. Und maintenant, l'irvision va devenir plus floue. Ils vont être envahis progressivement par un certain bien-être. Ils commencent à voir les vertiges et ressentent une crainte. Envie de s'allonger. Ok, ça suffit, Bobby. Allons-y. Rappelez-vous, c'est un gaz soporifique très puissant. Alors gardez vos masques bien ajustés. Ça ne marchera pas, Maisie. On ne peut pas jouer au football. On peut jouer bien mieux qu'eux. Allez, il faut leur prendre leurs uniformes. On doit gagner cette partie. Préparez-vous à applaudir l'étonnant poème dans l'espace. Oh oh. Se donne la main pour vous offrir cette époustouflante spirale de vie. La danse du sabre. Et attends, je parfait, bon travail, mon vieux. Tout va bien jusqu'ici. C'était la partie facile. Maintenant, allons voir ce que fait Ernest. D'accord. Allons-y, ramusqués, on les aura. Allez, les gars, allons-y. J'espère que le fini très stratège n'est pas monté avec les Le plus important, voyez-vous, c'est qu'une équipe est un leader. Une étoile. Une brillante étoile qui luit à travers la noirceur, afin que les autres puissent la suivre. Et cette étoile, c'est moi, voilà. J'ai déjà entendu ça quelque part. Dans ma prime jeunesse, on m'appelait Ernest le cinglé du foot. Alors donnez-moi le ballon et regardez-moi faire, vous me suivez? Les ramusqués semblent plutôt découragés. C'est pas étonnant après la brutale raclée qu'ils ont reçue jusqu'ici. Allez. Ces ramusqués jouent comme s'ils ne méritaient pas de participer à un championnat. Et de l'opinion générale, ils sont une véritable honte pour ceux qui soutiennent avec fierté Chickasaw Falls. Mesdames et messieurs, par tous les saints,
Je ne me souviens pas avoir jamais vu pareille inaptitude physique. Et avec le score qui est d'un embarrassant 39 à rien, il n'y a aucune joie à Motteville aujourd'hui. Ernest, venez. Venez. Je sais que philosophiquement, utiliser la machine peut répugner à votre essence de sportivité et de loyauté. Mais franchement, mon ami, je pense qu'il est grand temps pour nous d'opposer ces hommes d'effet à... les nouveaux et améliorés accélérateurs subatomiques des cerveaux. Faites de moi le maître des ramusqués. Génial, faisons vite. Oh, Ernest, cette fois, essayez de ne pas faire l'imbécile. Hein? Parfait. Maintenant, vous allez voir ce que c'est qu'un chef. On dirait que les rats musqués vont avoir un nouveau stratège, et c'est... Ernest Worrell. Compris. Le ballon est entre les mains des rats musqués. Premier essai, 27 verges à franchir, à leur propre ligne de 49. C'est parti. Espérons que nous allons assister à la partie de la décennie. Allez, les gars. Les rats musqués ont le ballon et ils se sont réveillés finalement. Hey! 37, 25 et 1, 2. Et une, deux, trois, ha! On dirait que les rats musqués ont complètement dérouté les hommes de fer! Les a piqués, mais les rats musqués ont l'air très différents et c'est peu dire. Des animaux, c'est ça. Vous êtes une baleine. C'est ça. Ok, vous êtes un lion affamé. Un éléphant. Un ours prêt à manger. Un bison sauvage. Un mammouth. C'est le poids supplémentaire. Il marque. Et le coup d'envoi. Et les rats musqués l'amènent près de la mi-terrain. Et comme il ne reste que 20 secondes de jeu, je crois que tout acte désespéré ne peut mener à rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Ernest? J'en sais rien, les gars, j'ai peur d'être à court d'idées. J'en ai, moi. Voilà ce qu'on va faire, mais aidez-moi, ok? Je pense maintenant. Youhou! Numéro 57! Hé, hey, tu es mignon. Temps d'arrêt. Cupidon fait encore des siennes. Quelle partie les rats musqués ont demandé leur dernier temps mort à seulement 3 secondes de la fin du jeu. Et pendant ce temps, l'arrière revient par ici et me couvre durant la passe. Y a des questions? Parfait, alors. Nous y allons. Ouais, on y va. Une minute. Ernest. Bobby, avez-vous chargé Ernest? Non. Oh, quelle horreur. Ernest! Oh.
police. Faites sortir cette fille de là. C'est exactement ce que je vous ai entendu dire quand vous nous aviez vendu, espèce de salaud. J'ignore totalement de quoi vous parlez. Je n'aurais jamais cru que vous iriez si loin. Écoutez, je vais vous expliquer. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le bien du système scolaire. Ça, c'est votre opinion. Mais je crois que vous et votre copain Decker, vous pourrez vous chercher un nouvel emploi lorsque j'aurai averti le comité de ce que vous avez fait. Oh mais non, ne faites pas ça, nous trouverons une autre solution, Et comme vous le disiez si justement, une école qui produit des champions n'est pas le genre d'école qu'une personne sensée pourrait penser à fermer définitivement. Vous voulez dire que... Chaque Falls restera ouverte. Alors, t'as réussi l'examen final? C'est vraiment pas croyable. Oui, Ernest. Vendredi soir, tu seras diplômé du secondaire. J'ai pas douté de toi une seconde, mon vieux. Eh bien, vous m'avez beaucoup aidé. Merci à vous trois. Mais vous savez, je pense que j'avais tout ça en moi sans le savoir. Ernest? Oh, bonne chance, mon vieux. Allez, venez. Ernest, je suis venue pour vous dire à quel point je suis fière que vous ayez enfin décroché votre diplôme. Félicitations. Jamais je n'aurais réussi sans vous, Miss Flugal. Je vous ai fabriqué quelque chose. C'est une boîte à musique. Oh, Ernest, c'est trop gentil. Vous avez fait ça pour moi. Écoutez. Je vous l'ai déjà dit, avec le bon outil, le travail est réussi. En plus, ça rime.